ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous l'avez pas vu sur Insta, je vous re-souhaite une bonne fête des mères avec un petit peu de retard du coup. Voilà, j'espère que vous avez été choyés par vos loulous et votre mari. Parce que, alors je sais pas vous, mais moi le mien, quand je lui dis, tu sais qu'aujourd'hui c'est la fête des mères, oui, mais t'es pas ma mère. Voilà ce qui me sort à chaque fois. Hein, mais bon, je lui ai quand même donné la chance d'être papa aussi. Hein, voilà, parce que oui, c'est une chance. Hein, faut pas qu'on l'oublie, qu'on a eu la chance, nous, d'être maman. Et qu'il y en a certaines d'entre nous qui galèrent et qui luttent pour avoir cette chance-là. Donc, en cette fête des mamans, j'espère que vous vous rendez compte que c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde et qu'on a eu énormément de chance de pouvoir donner la vie. Voilà. Et je souhaite de tout cœur que toutes celles qui sont en train d'essayer et luttent pour réaliser ce rêve qui s'exauce. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, que vous ayez aussi cette chance de pouvoir donner la vie. Ouais, une grosse pensée pour vous. Bon, allez. Il fait pas beau aujourd'hui. Enfin, il fait pas beau. Bon, j'ai eu un petit espoir ce matin que... Parce que le soleil était là, je me suis dit, ah, tiens, bien. Et en fait, compte maintenant. Il se cache là maintenant. On a eu beaucoup, beaucoup de vent hier, enfin samedi. Et... voilà, je me suis dit peut-être que il va sécher les nuages le vent, mais non. Je vous montre ma tenue d'aujourd'hui, très simple, jean noir, petite chemise noire avec des petits triangles blancs, voilà, une blouse en fait, c'est même pas une chemise, c'est une blouse, hop là, donc chemise, pantalon, jean, et puis la blouse. En fait, ça fait juste un col V. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça fait juste un col V. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout, quoi, en fait. Elle est un petit peu recentrée sur les tailles, sur la taille. Et du coup, ça fait un effet un peu bouffant igné au niveau d'ici, là. Voilà. Et c'est une chemise que j'avais achetée à Kiabi, pas très chère. C'est ouais, l'année dernière, je pense. Mais souvent, il y a ces modèles comme ça, en fait, à Kiabi. Ça arrive très souvent qu'ils y sont. En fait, il y a un petit bouton aussi là. Fin. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. J'ai pas mis mon retour d'écran. Ah, elle est resserrée au bras avec un 3 petits boutons. Elle est très jolie. Enfin, j'aime bien. Elle est confortable et en même temps, elle fait un petit peu habillée, on va dire. Allez, on va attaquer sa journée. Alors, Greg travaille aujourd'hui. Oui, dimanche. Pas le choix, donc voilà, il m'a dit, oh, ça m'embête, c'est la fête des mères. J'ai dit, oh, c'est pas grave, hein, voilà. J'ai dit, t'as pas le choix, hein. Et du coup, je pensais ne pas avoir mon petit déjeuner au lit ce matin. Mais devinez quoi, Stacy s'est réveillée exprès pour me le rapporter. Parce que moi, je suis réveillée tôt, en fait, par rapport au loulou. Et du coup, j'avais dit à Greg hier en rigolant, bon, bah, pas de petit déjeuner au lit demain, du coup. Et Stacy, voilà, s'est réveillée, elle l'a sûrement entendue, elle s'est réveillée et elle m'a ramenée à 7h du matin. Elle est venue dans ma chambre, j'étais réveillée depuis un moment, hein, mais je flémardais comme j'étais toute seule dimanche matin. Je me suis dit, bon, on va profiter un petit peu. Je flémardais et puis elle me dit, tu veux que je te ramène ton petit déjeuner au lit? Voilà, donc j'ai eu droit à mon café, mon croissant au lit. Allez, on va attaquer du coup sa journée. Là, je vais commencer par faire du pain. Au levain, j'ai nourri mon levain hier, donc je vais faire ça. Ensuite, ce midi, le repas, c'est un poulet crapaudine sauce pili-pili avec des petites pommes de terre rôties. Et ce soir, c'est des hot dogs fromage lard fumé. Donc on va faire des pains hot dogs ensemble. Je vais faire une autre, je suis à contre-jour, c'est un petit peu sombre. Je vais faire une autre recette de pain hot dog que je vous ai déjà partagée. En fait, dans cette recette-là, il y a un petit peu de beurre et... surtout, il y a du lait en poudre dedans. Donc du coup, ça vous donne une texture différente. Et au niveau du goût, ça ressemble un petit peu au pain au lait. Voilà, ils sont un tout petit peu plus... voilà, il y a une petite touche de lait en fait dedans. Donc, et puis au niveau de la...
les pains hot dog d'habitude. Enfin là c'est des pains hot dog de la Nouvelle-Angleterre. Donc en fait là au lieu d'être individuels, vous les cuisez tous collés, tous en bâton. Je vous montrerai hein, pareil quoi, la même forme mais tous collés. Donc du coup de chaque côté vous avez un côté mou quoi en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer mais ça rend le pain moins sec parce qu'il y a moins de croûte tout autour, donc ils sont plus mous. Et je sais pas vous hein, mais quand moi je fais des brioches ou des pains collés comme ça, vous voyez tous collés, mettons tous des boules tout collés, et en fait la meilleure c'est celle du milieu en fait, parce que c'est là où il y a le moins de croûte, où il y a tout le plus de mie, et c'est ce qu'on recherche souvent dans un pain comme ça. Donc là il y a plus de mie. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure, on fera ça cet après-midi. Alors logiquement bah rien de prévu aujourd'hui. Greg a commencé, enfin voilà, il n'y a pas eu de week-end pratiquement. Je suis désolée, il fait sombre mais le soleil se cache, donc j'ai des moments de lumière et des moments où il fait très sombre. Oui, donc il a pas eu de week-end à part hier, c'était son seul jour de férié, enfin jour de congé dans la semaine. Il a commencé ce matin à 5h comme d'habitude, il finit à 13h, il a fait exprès de commencer c'est très tôt pour pouvoir quand même avoir son dimanche après-midi. Mais du coup voilà, je lui ai dit on va rien faire, il va être crevé, il va rattaquer une semaine normale à lundi. Voilà, donc on va rester à la maison. Kim doit venir cet après-midi avec son chéri. En parlant de Kim, vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais je savais pas qu'elle avait pris son indépendance. Non, elle a pas encore pris son indépendance, je pense que ça ne devrait plus tarder. Voilà, elle est encore à la maison hein. Non, elle fait des allers-retours quoi en fait. Voilà. J'ai fini tout ce que je voulais faire. Alors le week-end, souvent je fais pas grand chose. Enfin je fais pas grand chose, je fais que les routines. Je fais pas de ménage le week-end, de profondeur. Je fais pas de blessing, je fais pas de zone. Voilà, c'est juste les routines, juste les toilettes, la salle de bain, les lits, passer l'aspiro, le linge, comme là j'ai mis mon linge dehors parce que les bâtés, enfin voilà, si j'en fais pas une tous les jours on est débordé hein. Et encore, il y a deux moments j'arrive à switcher un dimanche, mais c'est rare. Voilà. Mais je fais le juste pour que la maison soit visuellement propre. Après voilà, c'est suffisant, j'en fais assez la semaine hein. C'est dimanche après tout. Et je fais en sorte aussi de... Je fais pareil le samedi en fait, pareil. Je ne fais pas de ménage de zone, je ne fais pas de blessing le samedi. Vous êtes souvent beaucoup à me le demander. Mais voilà, je me limite à la routine, juste pour entretenir la maison le week-end, pour pas être débordée complètement le lundi. Mais voilà, je ne fais pas... J'ai fait en sorte que... mon week-end aussi soit cool pour moi. Et là j'étais en train de regarder pour faire une petite recette sucrée pour ce midi. Après tout c'est fête des mères hein, on a le droit de se faire plaisir aussi. Donc c'est moi qui vais faire le gâteau hein. Pas le choix, chérie n'est pas là, autrement je lui aurais dit tiens. Mais non. Donc du coup on va faire des carrés au citron. C'est une recette que je vous ai partagée il y a longtemps sur la chaîne. Je vais juste faire quelques petits ajustements au niveau des quantités de sucre, enfin voilà, les choses comme ça. Mais c'est une recette qui plaît, qu'on aimait bien. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je comprends pas quoi en fait. En plus c'est une recette qui est assez simple. En fait c'est une pâte sablée et au-dessus il y a une crème au citron. On fait cuire ça dans un cadre à pâtisserie et ensuite on vient couper des petits carrés dedans. Si vous aimez le citron vous allez adorer cette recette. Alors je vous ai dit que j'allais diminuer la quantité de sucre mais je ne vais pas pouvoir non plus la diminuer de beaucoup parce que le citron c'est vachement acide qu'en fait, et si on met pas assez de sucre, c'est... Hein. Donc on va commencer, je vous mets la liste des ingrédients qu'on va avoir besoin, parce que comme je vous ai dit, je vais faire des petits changements, donc je vais voir... Là ça sera écrit les bonnes quantités. Si je vous dis les quantités là, je sais pas trop ce que je vais mettre dedans. Donc je sais qu'il va y avoir de la farine, du beurre, du sucre, enfin voilà des choses comme ça, mais je sais pas les quantités, donc je vous le note. Et on y va. Donc on va commencer par faire la pâte sablée. Très simple, on prend un robot et on mixe tout dans le robot. Donc on va mixer le beurre, la farine, le sucre et le sel. Là par contre je vais rien changer, donc on va avoir 180 g de beurre, 180 g de farine, 100 g de sucre et 5 g de sel. Et encore je me demande si on pourrait pas descendre un tout petit peu le beurre. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne à la texture de la pâte. De toute façon, je vous ai dit, hein, tout sera noté là. Et puis vous aurez en barre d'infos la fiche recette sur le mur. Très long encore. J'essaye de faire en sorte que le blog sorte assez vite. Mais c'est du travail. Et je veux vraiment qu'il soit comme je le veux quoi en fait. Donc je préfère retarder un tout petit peu la mise en ligne. Et être sûre que tout est comme je le souhaite quoi en fait. Voilà.
Et c'est vraiment du boulot, quoi, en fait, de tout mettre en place, de tout, enfin voilà, j'espère vraiment que il sera à la hauteur du travail que j'ai mis dedans. Et en ce moment, les week-ends, je passe mes week-ends à faire ça. Et c'est pour ça aussi que je vous montre pas grand chose sur Insta, parce que je suis pratiquement tout, j'ai même pas de week-end, quoi, en fait, parce que je passe énormément de temps dessus, essayer que tout soit cohérent, concordant, qui soit le plus complet possible et qui soit le plus pratique pour vous, pour moi. Enfin voilà, donc j'espère, je croise les doigts pour que il arrive si sous peu, quoi, en fait. Mais voilà, je fais au mieux. Donc on y va, je vais sortir les ingrédients, puis on s'y met. J'ai tout mis les ingrédients pour la pâte dans le bol du robot, puis on va mixer pour former une belle boule. Alors, une fois qu'on a une belle boule, on prend une plaque à pâtisserie, hop, une feuille de papier sulfurisé et un cadre. Hop. Alors si vous n'avez pas de cadre, vous pouvez le faire dans un moule. Par contre, prenez un moule, si le moule a manqué, que vous puissiez enlever le tour, parce que ça ne va pas être démoulable. Ou si vous le démoulez, vous risquez de le casser. Voilà. Hop. Ensuite, on prend la pâte, on va venir la mettre. Alors on va y aller avec les doigts, hein. Ça va aller très bien avec les doigts. Pas besoin de rouleau. Donc on met toute la pâte. Enfin, attention de ne pas se couper avec les lames du couteau. On met toute la pâte dans le plat et on vient l'étaler pour avoir une surface régulière, quoi, en fait. Voilà. En fait, au rouleau, je ne sais pas si vous allez y arriver, parce que c'est une pâte qui est quand même assez friable. Donc le plus simple, c'est d'y aller avec les doigts. Ou entre deux papiers sulfurisés. C'est ce qu'on peut faire, ça aussi. Vous voyez, vous prenez une deuxième feuille de papier sulfurisé. Vous le mettez et vous venez avec votre rouleau. Alors attendez que je trouve mon rouleau. Et puis on vient du coup étaler avec. Alors par contre, si vous faites avec les rouleaux, enlevez la plaque en dessous, ça vous ira mieux. Alors ce que je vais faire là, j'enlève le papier sulfurisé de dessus, je vais venir couper avec mon moule l'excédent. Je vais récupérer ce qui dépasse et le mettre dans les petits trous qu'on a autour. Ça, on est sûr d'avoir un beau triangle, un beau rectangle. Ah, et on revient étaler un petit peu avec le... Ah, en fait, on étale la pâte sur 1,5 cm. Donc une fois qu'on a un beau rectangle de pâte, hop, on met sur la plaque et ça s'en va au four. Donc j'avais fait préchauffer mon four à 180 et on va le faire cuire pendant à peu près 15 minutes. Faites attention parce que ça colore vite, donc faites attention dans votre four. Je vous dis à chaque fois un temps, mais c'est vrai qu'en fonction des fours, ça peut varier de 5 minutes, hein. Donc vérifiez. En fait, ce qu'il y a, c'est que la température de mon four n'est pas forcément la même température du vôtre. Donc quand je vous dis 180, si ça tombe, le vôtre est plus à 190 ou 170. Donc il mettra un peu plus de temps que le mien, ou moins de temps. Alors, faites attention au temps. Il y a beaucoup de temps. Allez, ça part au four. En attendant que notre pâte est au four, on va s'occuper de la crème au citron qu'on va mettre dessus. Donc, on va prendre des œufs, du sucre, de la farine et du citron. Voilà. Jus et zeste. Voilà. Alors, on va déjà mélanger les œufs avec le sucre. C'est une recette que je fais là au MCC, mais avant, je le faisais à la main. Donc, ou au robot, je prenais mon... Vous voyez les robots pour râper les carottes et tout, qui sont équipés d'une hélice, là. Vous voyez les robots multifonctions. Ben, je prenais ce robot-là et puis je faisais ma pâte dedans. Et ensuite, ben, la crème au citron, je faisais à la main, au fouet. Voilà.
Et puis ensuite je la faisais chauffer à la casserole. Là bon, le MCC va tout faire pour moi, mais vous pouvez très bien la faire à la casserole, hein. En fait toutes les recettes que je fais au MCC, c'est faisable à la casserole ou au robot. Vous remplacez quand je dois mixer ou quoi par un robot, comme je vous ai dit, un robot multifonction, ou enfin voilà, les mini robots, enfin ce que vous avez à la maison, enfin mini robot quand ça dépend des préparations, parce qu'il y a certaines préparations où vous allez être restreint par la quantité, mais voilà, ce genre de robot là, enfin vous voyez de quoi je parle, et ensuite par la casserole. Et toutes les recettes que je fais aussi au Cookéo, vous pouvez très bien aussi les faire soit à la cocotte minute ou soit dans une marmite, quoi, en fait, sur le feu. Le seul truc c'est que le temps est plus long du coup, puisque le Cookéo va beaucoup plus rapidement, la cuisson est beaucoup plus rapide, le fait qu'il cuit sous pression comme une cocotte minute, quoi, en fait. Mais voilà, vous pouvez très bien, c'est comme les recettes que je fais, parce que ça arrive souvent aussi où je fais une recette entre guillemets à l'ancienne, à la marmite, et qu'on me dit est-ce que je peux la faire au Cookéo. Oui, c'est tout à fait possible, le seul truc c'est qu'il faut adapter au niveau du temps de cuisson. Souvent on peut diviser le temps par deux au Cookéo, quoi, en fait, hein. Allez, on y va. Ce qu'il y a, c'est que j'aime cuisiner, donc il y a des moments où je l'aime le faire à l'ancienne, mélanger, enfin sortir mes marmites et tout, comme voilà, voilà, tout simplement. J'y vais. Donc du coup, je mets les œufs, le sucre et je mélange ensemble, juste mélanger. On cherche pas à ce que ça devienne mousseux ou quoi que ce soit là. Une fois que le sucre et les œufs sont mélangés, on ajoute les 60 g de farine. Nickel. Et on remélange. Et ensuite, je vais ajouter le jus de 4 citrons et le zeste de 2. Je ne mets pas le zeste de tous parce que autrement ça risque d'être un petit peu trop acide. Donc juste le zeste de 2 citrons et le jus de 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais peser le jus. Comme ça, je vous mettrai la quantité de jus exactement qu'il faut. En fonction de la grosseur des citrons, et de moins on n'a pas la même quantité de jus. Hop. Alors je zeste et je presse. J'avais 150 ml de jus, donc 150 g de jus. Donc là ensuite on mélange et on va faire épaissir ça. Donc je vais mettre à 90 degrés, 95 degrés, vitesse 3 pendant à peu près 5 minutes. Voilà. Allez, on y va. Si vous le faites à la casserole, vous faites épaissir à la casserole. Voilà. Une fois que la pâte elle a doré un tout petit peu, alors je vais vous montrer. Alors moi j'ai mis 20 minutes dans mon four. Donc entre 15 et 20 minutes, vous voyez, elle est légèrement blonde. Que notre crème a épaissi. Voilà. Donc là c'est pareil, je l'ai mis 10 minutes, vous avez dit 5, mais il faut vraiment, c'est la première fois que je le faisais au robot, donc il faut avoir une texture de crème, quoi, en fait. Il faut qu'elle soit prise. Là, il ne nous reste plus qu'à verser la crème sur la pâte et de la réenfourner 15 minutes, toujours à 180. Donc on égalise bien la crème, on la met bien partout. Donc on a à peu près 1 cm peut-être de crème, même pas. Hop. Je vais mesurer mon disque parce que je pense que ça va venir, enfin mon disque, mon cadre. Vous allez me le demander. Alors il fait 18,5 sur à peu près 28. Mais c'est les cadres, vous voyez qu'on peut agrandir et rétrécir. Donc je pense que de temps en temps il y en a chez Lidl. Donc faites attention. Si vous n'en avez pas, ça se peut que. Bon allez, je renfourne ça. Donc pour 15 minutes. Alors, comme le four va, on va continuer et on va s'occuper de notre poulet crapaudine. Alors, le poulet crapaudine, en fait, ça vient de la coupe du poulet. On va lui donner un peu comme une forme de crapaud. Donc, du coup, on prend notre poulet. Hop. On le retourne. Pour avoir, vous voyez, le côté du dos. Et on va venir couper de chaque côté de l'os là ici dorsal. Alors pour ça moi je prends un bon ciseau et on vient couper tout le long
de l'arête de chaque côté. Et jusqu'au cou. Alors il faut un bon ciseau. Hein. Donc ça, la partie là. Alors j'aime pas trop faire ça, hein, mais bon. D'habitude c'est Greg qui s'en charge. C'est parce que ça me... Voilà, du coup... Bref, donc du coup qu'on a notre poulet, qu'on a enlevé l'arête, ben on le retourne. Et on vient... Avec ses deux mains, en fait. Vous voyez, on vient l'écarter. Et on appuie. Voilà, pour l'avoir à plat. Comme un crapaud. Voilà. Alors, cette façon de faire fait que le poulet cuit... Alors, vous pouvez faire cuire, du coup, le poulet entier. Et il cuit plus vite. Parce que, vous voyez, il y a moins d'épaisseur. Et là, tout le poulet est en contact avec la chaleur du four. Il ne faut pas attendre que la chaleur rentre dans le poulet. Et en plus, quand on utilise une marinade comme ça... Bah, la marinade rentre plus parce qu'elle est directement en contact avec la chair du poulet. Et c'est pratique aussi quand vous voulez faire un poulet. Là, logiquement, c'est ce que j'aurais fait s'il aurait fait beau et que Greg aurait été là. On l'aurait fait cuire sur le barbecue. Au lieu d'avoir un tourne-broche, bah, vous prenez votre poulet comme ça, coupé entier. Et vous le mettez... Là, moi, je vais enlever ça, là. Hop. Et vous le mettez sur votre grille directement du barbecue. Ce qui est là, vous pouvez faire ce que vous voulez, soit vous le jetez, ou soit vous pouvez le garder pour le mettre dans une soupe ou un truc comme ça. Voilà, donc là du coup j'ai mon poulet qui est fait, on va le mettre dans un plat. On prend un grand plat, hop, on vient mettre, alors moi je prends un grand plat parce qu'après je vais mettre toutes les petites pommes de terre autour. Et on va venir faire pré-cuire notre poulet, parce que la marinade qu'on a fait, qu'on va faire ensuite, c'est une marinade qui est un petit peu sucrée. Et du coup si on la met tout de suite, elle va vite caraméliser, notre poulet va devenir tout noir. Ça, en plus il va y avoir de l'amertume dans la marinade et notre poulet et le poulet sera pas forcément cuit à l'intérieur. Donc on va déjà le faire pré-cuire. Donc du coup je mets mon poulet à plat, hop, donc dans le plat, je vais le saler, le poivrer, mettre un petit peu d'huile d'olive et le faire pré-cuire au four, du coup une trentaine de minutes tout seul comme ça, sans rien. Oups. Bonjour Angel. Donc là j'ai sorti le ghetto, enfin les carrés. On va laisser refroidir et ensuite on les coupera. Mais il faut attendre que ça soit bien froid. Vous voyez la crème elle a bien pris sur le dessus. On a une belle crème au citron. Et là du coup moi je vais enfourner mon poulet, comme je vous ai dit, juste sel, poivre. Je vais monter la température à 200 degrés. Et on va le faire cuire pendant une demi-heure. Alors on y va maintenant pour la marinade du poulet. La petite sauce qui va entourer même nos pommes de terre et tout. Ce que j'ai fait aussi, j'ai pris les petites pommes de terre, donc les délicatesses, vraiment des toutes petites pommes de terre. Je cherche même pas à les éplucher, la peau est tellement fine de ces pommes de terre qu'on va les manger comme ça entière. Et je les ai fait pré-cuire à l'eau pour gagner en temps de cuisson ensuite dans le four. Parce qu'autrement les pommes de terre comme ça entière, c'est assez long dans le four. Et comme ça elles vont être un petit peu toutes moelleuses à l'intérieur et croustillantes sur le contour avec et parfumées avec la petite marinade. Donc la marinade, donc le poulet pili pili, il vient, le nom en fait vient de ce petit piment rouge, le piment pili pili qu'on trouve souvent séché en grande surface. Moi j'en avais du séché mais j'en avais aussi du frais de l'été dernier du jardin à Greg qu'on avait mis au congélateur. Alors moi je vais en mettre qu'un parce que c'est fort, ça pique. Donc du coup je vais en mettre qu'un et je vais en plus enlever les graines qui y a à l'intérieur parce que c'est les graines dans un piment qui fait que ça pique très très fort. Donc du coup je vais même enlever les graines, mais vous pouvez en mettre plus, vous pouvez mettre avec les graines si vous supportez le pimenté. Mais moi là si je mets ça, Greg va avoir la bouche en feu, les enfants aussi ils vont rien manger. Donc je le coupe en deux et j'enlève du coup les petites graines et la membrane blanche qui y a à l'intérieur. Comme ça il y a moins de risques. On aura le parfum du piment sans avoir son côté trop arrache la bouche. Voilà. Donc alors pour la marinade du poulet, je vous mets les ingrédients ici de la recette. On va avoir besoin de l'huile. Donc moi je prends de l'huile de colza, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou ce que vous voulez. Il faut une huile neutre, de la sauce soja, 1 cm de gingembre frais, du vinaigre de riz. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du vinaigre blanc si vous le souhaitez.
Donc piment pili pili au goût, en fonction de vous. Une cuillère à café de paprika. Moi je mets du paprika fumé pour avoir ce petit goût de barbecue, ce petit goût de fumée. Une cuillère à café d'origan et deux cuillères à café de sucre et le jus d'un citron vert. Donc je prends un petit robot et on va tout mettre dedans et puis on va mixer tout simplement. Donc on va tout mettre les ingrédients et on mixe. Est-ce que ça donne une fois la marinade faite? Franchement c'est vraiment très très bon. Les saveurs et tout, l'ail, enfin voilà. Ça va donner une bonne saveur à notre poulet et à nos petits pommes, nos petites pommes de terre. Je prends un oignon et je vais l'éplucher et le couper en gros morceaux et on va le mettre de côté. Il va aller avec nos petites pommes de terre tout autour de notre poulet. Et là, ben la recette, elle est déjà, il n'y a plus que de la cuisson à faire, tout est fait. Il n'y aura plus qu'à mettre tout au four autour du poulet une fois que celui-ci aura sa demi-heure de cuisson et sera pré-cuit. Je vais faire peut-être des brocolis avec brocoli vapeur, je pense que... Ouais. Je vais faire cuire des brocolis et ça sera l'accompagnement. J'ai lancé les brocolis et j'ai coupé les carrés au citron. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Alors vous voyez, vous avez une couche de biscuit et puis une crème au citron au-dessus qui se tient bien en plus. Donc c'est pour ça qu'on peut le couper en carrés comme ça. Et franchement là, j'ai goûté un petit bout pour voir au niveau de la quantité de sucre. Je l'ai bien baissé hein, par rapport à la recette que je faisais avant et c'est nickel. Donc là, on coupe et on laisse refroidir. On les met peut-être même un petit peu au frigo. Et peut-être qu'au moment de le déguster, je mettrai peut-être un voile de sucre glace sur le dessus. Alors là, je les ai fait un peu plus... voilà, j'ai fait des beaux carrés. J'en ai fait 12 en tout, mais on aurait pu faire des plus petits. C'est aussi le genre de dessert qui est parfait pour mettre sur un buffet. Quand vous recevez sur un style mignardise, ça se tient super bien, ça va vite à faire. Voilà, allez. Puis il y a un petit, tu vois, vous voyez avec le sel qu'on met dans la pâte, il y a deux moments où on tombe sur un tout petit grain de sel dans la pâte quand on croque. Du coup, ça fait un switch à la langue, là, vous voyez. Super bon. Moi, du coup, ben, tout est fait. J'ai plus qu'à attendre que ça cuit. Mon repas est prêt. Greg ne sera pas là avant... Il y en a encore au moins pour une heure avant qu'il rentre. Il est midi 10, midi 20. Ouais, il est midi 20. Donc du coup, ouais, dans une heure, il sera rentré. Puis on va l'attendre pour manger. Souvent, la semaine, on mange avant. Mais là, c'est dimanche quand même. Donc du coup, voilà, on va l'attendre. Et puis, moi, je vais travailler un petit peu sur la chaîne en attendant. Voilà. C'est de l'eau, hein, je vous rassure. Même si c'est transparent, c'est de l'eau. J'ai mon poulet qui a sa première demi-heure de cuisson. Donc là, on va hop, mettre l'oignon tout autour. Voilà. Donc, vous voyez, l'oignon, je l'ai coupé vraiment en gros morceaux. Hein. J'essaye de le délier, mais... Et puis, on va venir ajouter une partie de la marinade. Donc déjà, je vais le retourner. Essayer de ne pas me brûler. Pour en mettre de ce côté ici. Donc on va pas tout mettre. Hein. On va en garder parce que là il va cuire avec les oignons. Enfin il va continuer sa cuisson avec les oignons. Et ensuite on rajoutera les pommes de terre. Donc on met la marinade partout. Là c'est liquide dans la marinade mais c'est normal. Voilà. On va le retourner. Oh, c'est chaud. Voilà. Et on en met bien aussi de l'autre côté. Et ça repart au four 15 minutes à peu près. Donc là, moi, il est pratiquement cuit. Ça dépend de la grosseur de votre poulet. Ça dépend de ce que vous avez pris comme poulet aussi. Si c'est un poulet fermier ou quoi, il risque d'être un petit peu plus long à cuire.
Donc là, on le refait cuire jusqu'à ce qu'il soit pratiquement cuit, parce qu'ensuite, on va mettre les petites pommes de terre, mettre le reste en sauce, remettre un petit peu au four pour faire un petit peu dorer les pommes de terre et leur donner de la saveur. Et ensuite, c'est tout. Donc là, moi, je vais le remettre 15 minutes parce qu'il est pratiquement cuit. Mais en fonction de votre poulet, si vous voyez qu'il y a encore, qu'il manque beaucoup, mettez un peu plus de temps. Donc ça repart 15 minutes au four. Mon poulet avait 15 minutes, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la marinade tout de suite, parce que là, juste 15 minutes et il commence déjà à caraméliser. Hein. Donc attendez bien, faites cuire votre poulet une première fois avant, parce que autrement vous allez avoir un poulet tout noir. Donc là, il a 15 minutes, il est pratiquement cuit. J'ajoute mes petites pommes de terre. Donc moi, là, je ne les ai pas épluchées parce que c'est des délicatesses, elles sont vraiment toutes fines, enfin la peau est toute fine. Mais d'habitude, je les épluche. Après, c'est vrai que pour gagner du temps aussi, vous pourrez peut-être prendre, c'est des pommes de terre sous vide, là, si vous aimez ça, quoi, en fait. Je sais que certains n'aiment pas trop. Enfin, moi, je sais que les manger comme ça, j'aime pas. Mais quand c'est dans une petite sauce, ça passe, on va dire. Mais c'est vrai que ça permet de gagner un petit peu de temps aussi. Donc là, on met les petites pommes de terre autour. C'est pour ça qu'il faut vraiment un grand plat, parce que les pommes de terre comme ça, elles sont bien à plat. Ce plat-là, si vous vous demandez où est-ce que je l'ai trouvé, je l'ai trouvé dans une ressourcerie. Je ne l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que je l'ai payé 2-3 euros. Et j'ai hésité à le prendre au début parce que niveau, voilà, il est un peu rustique, on va dire. Mais je me suis dit, voilà, il va être trop pratique. Et j'ai eu raison parce que je m'en sers énormément quand je fais justement des plats comme ça où il me faut de l'espace. Donc là, on va verser du coup, on a mis nos petites pommes de terre, on va remettre un tout petit peu de marinade sur notre poulet et on va verser le restant de marinade sur les pommes de terre, donner un petit coup de cuillère pour mélanger le tout et ça va repartir au four un petit 15 minutes pour finir la cuisson. Mais là, ça sent trop bon dans la maison, les épices et tout, Voilà, donc je verse autour. Je vais mélanger un petit coup pour bien enrober toutes les pommes de terre. Et ça repart au four. Greg est rentré. Donc on va pouvoir manger. Alors le poulet, ce qui est chouette quand il est coupé en crapaudine comme ça, c'est que vous avez juste à couper au milieu. Il va falloir aiguiser les couteaux. Hop là. Et ensuite, ce que je viens de faire, c'est couper là en deux. Et ça vous fait vos morceaux de poulet. Avec du coup le poulet, les petites pommes de terre et puis brocoli vapeur. Et on va manger parce que qui m'arrive dans pas longtemps. Girl, my love will never end. Gonna hold you like the stain of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me less. Reservations, I don't have to ask. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's tender me. Gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times a thousand, we keep on counting. Ain't nobody single, girl, all that you are. Il est déjà 5h. Alors, presque 5h. Oh non, mais non, il n'y a que 4h20. Je pensais qu'il était plus tard que ça. Donc du coup on a passé l'après-midi. Vous avez vu qui m'est passé. On a passé l'après-midi ensemble. On a fait une partie de Monopoly.
Et je pensais que ça aurait été le chéri Hakim qui aurait gagné parce qu'il avait raflé toutes les propriétés. Et en fin de compte, c'est Stacy qui a gagné. Et puis ils m'ont offert mes cadeaux. Donc vous avez vu, hein, j'ai une big tasse. Mais alors elle est énorme cette tasse. Ça va être pratique pour faire mes cappuccinos. J'ai une paire de boucles d'oreilles. Elles sont jaunes, il n'empêche, ces boucles d'oreilles. Ça fait. Enfin, vous les avez vues, quoi, en fait. Hein, et un beau t-shirt. Hein, que je mettrai demain, sûrement. Avec, je pense qu'avec un petit cuir, ça pourrait faire beau. Allez. Là, du coup, je vais préparer les petits pains hot dog. Pour ce soir, comme ça le temps que ça lève, ben, j'irai un petit peu travailler sur le PC. Alors pour ça, on va avoir besoin, je vous mets la liste des ingrédients là sur le côté, 500 g de farine, 4 cuillères à soupe de lait en poudre, 120 ml de lait tiède, 120 ml d'eau tiède, 2 cuillères à café de levure de boulanger séchée, de la déshydratée, 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 œuf et 50 g de beurre. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre dans la cuve du robot l'eau, le lait, et on va faire tiédir ça à 37 degrés et ensuite j'ajouterai ma levure. Faites attention à la température du liquide, parce que si c'est trop chaud, vous allez tuer votre levure au lieu de la réactiver. Donc moi c'est juste pour gagner du temps après sur la pousse de la pâte. Après vous pouvez mettre froid hein, si vous avez un doute. Faut mieux plus froid que trop chaud, parce que voilà, comme je vous ai dit, autrement vous allez la tuer. Et puis ce qui est pratique, c'est avec le MCC, c'est que vous mettez 37 degrés et c'est lui qui va gérer la température. Donc il n'y a pas de danger que vous tuez votre levure. Alors, je vais passer de lumière ici. On va rajouter. Voilà. Donc une fois qu'on a l'eau et le lait qui est à 37, on va le mélanger dans un petit bol avec l'œuf. Donc on les met ensemble. Et on mélange avec une fourchette. Une fois que toutes les poudres sont mises dans le robot, on le met en route et on va ajouter notre mélange lait, œuf, eau. Alors au robot pétrin, bah, on fait tourner avec le crochet et on ajoute un petit peu à la fois le liquide. On pétrit jusqu'à ce que la boule se forme bien, qu'elle se détache des parois, mais elle laisse, alors comme là au robot pétrin, elle va laisser une petite trace dans le fond du bol en fait, mais elle se détache des parois. Il faut bien pétrir 5 minutes à chaque fois, je vous précise, hein, mais dans la boulange c'est vraiment important de bien pétrir parce que c'est là que le gluten se forme et c'est ce qui rend votre pâte élastique et qui se tient. Donc même quand, enfin dans n'importe quelle boulange, il faut vraiment bien pétrir. Alors c'est pas évident quand on a un robot comme le MCC, mais quand on a un robot pétrin, il faut bien laisser le robot pétrir pendant 5 minutes. C'est aussi pour ça, on arrive à se débrouiller avec le MCC, mais je trouve que mes pâtes à pain, elles sont beaucoup plus belles quand même avec le robot pétrin. Donc vous étiez beaucoup à me dire bah t'arrives à t'en sortir sans. Oui, j'arrive à m'en sortir sans, mais il me manque quand même quoi en fait. Donc dès que je pense qu'on ira chercher un assez vite quoi en fait. Je vais prendre le beurre que j'avais déjà sorti. On n'a pas de tête. Hein. Donc là, on ajoute du coup 50 g de beurre froid dans la pâte et on va repétrir pendant 5 minutes, 5-10 minutes, jusqu'à ce que tout le beurre soit incorporé dans la pâte, que notre pâte devient un peu plus élastique et du coup, elle va devenir aussi un petit peu plus collante. Normal. Une fois qu'on a une belle pâte, on met dans un saladier une petite charlotte et on laisse lever au moins pendant une heure. Ça doit doubler voire tripler de volume. Donc là, moi, en attendant qu'elle gonfle, bah, je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Une fois qu'on a tous nos petits boudins qui sont rangés comme ça dans le plat, l'un à côté de l'autre, on va les laisser relever. Ils doivent venir pratiquement, enfin, ils doivent redoubler, tripler de volume, quoi, en fait. Voilà. Donc on les laisse au chaud pour qu'ils redoublent, triple de volume. Alors, une fois que les petits pains ont bien doublé de volume, hop, on les dore soit à l'œuf ou soit comme la moi avec du lait. Et on les enfourne dans un four préchauffé à 180 pour à peu près 20 minutes. Voilà, comme d'habitude, on surveille, on fait attention parce que ça dépend des fours. J'ai sorti les petits pains du four, donc voilà ce que ça fait. Donc du coup, après, on va prendre un morceau voilà, de pain et on va le garnir avec les saucisses que j'ai préparées avec Greg. Donc en fait, c'est des saucisses de Francfort qu'on a fendu en deux, on a mis
un petit peu d'emmental à l'intérieur. Donc la tranche, je l'ai coupée en 4 pour pouvoir que ça rentre dedans. Et on l'a enroulé dans du lard. Et là, je vais les faire cuire au four. Alors ça va vite, hein, en 10 minutes, même pas, c'est cuit. Juste pour que le lard devienne un petit peu croustillant, que le fromage il fonde. Alors on va manger, donc du coup les saucisses sont cuites. Donc juste moutarde, ketchup pour celui qui veut. Et je vais vous montrer du coup ces pains. Donc en fait on les effeuille comme ça. Alors logiquement ils auraient dû moins être plus gros, mais mon plat était trop petit quoi en fait. Voilà, donc ils ont poussé mais en longueur. Logiquement ils sont un petit peu plus gros et on peut les fendre comme ça au milieu. Et pour garnir la saucisse, là ça va faire un peu comme une grosse tartine. Mais bon c'est pas grave. La prochaine, faudrait que j'essaie de trouver un plat qui soit adapté. Logiquement en fait ils les font cuire dans des plats justement adaptés pour ça en fait. Nous c'est dur d'en trouver parce que ça se vend que là-bas quoi en fait. Mais voilà, je vais essayer de trouver un plat qui soit adéquat. En attendant ça fera très très bien l'affaire. Je voulais surtout vous montrer en fait c'est la mie. Donc en fait on vient ouvrir comme ça, prendre le pain. Alors, je sais pas si vous allez voir la mie comment elle est filante. Ça fait vraiment le pain, le petit pain au lait quoi. C'est vraiment tout mou, tout tendre. Et en fait bah, on aurait pu faire griller le pain si on veut. Pour le faire toaster un petit peu sur les côtés. Vous voyez là où il y a la mie. Bon allez, nous on va manger. Je vais vous laisser parce que le vlog est déjà très très long je pense. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour logiquement le retour de course. C'est pas sûr qu'on le fasse demain. C'est pas sûr qu'on fasse les courses demain. Ça sera surprise. On verra du temps qu'on a. Parce que Greg a un rendez-vous à 4h30 ou 4h? 4h30. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu ric-rac, mais on va voir. On va voir. Au pire, ça sera mardi. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous. Et bien sûr, toutes les recettes sont en barre d'infos si vous le souhaitez.